Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, nous voici pour l'ouverture de la Nyon Box de octobre 2022 que je viens de recevoir. Alors, on voit qu'en fait, ils ont mis dans des boîtes rouges, hein. La dernière, on avait remarqué, c'était dans des boîtes blanches, une boîte blanche, c'était, hein. Je vais juste régler. Calme comme ça. Donc ben on est parti pour cette Nyon Box d'octobre 2022. Alors, il y aura, ben, comme d'habitude, la petite carte cadeau. Petit explicatif. Et il y a l'air d'avoir pas mal de trucs, hein. Non, pas tant que ça en fait. Alors, ça là. Alors, pour cette Nyon Box d'octobre 2022. Alors, on va commencer par une, c'est une boîte pour les onigiri. Alors, c'est pour les faire ou c'est pour les c'est bien donc, pour lui faire honneur dans ces deux produits. Un moule à onigiri peut servir à préparer, mais aussi à transporter un onigiri ainsi qu'un lot de trois tasses. Donc en fait, moi j'ai le moule à onigiri, donc qui avait soit le moule, soit les trois tasses. Kirby. Donc moi j'ai eu le moule à onigiri. Donc pareil, là il y a en fait derrière il y a l'explication comment les faire, hein. Mais je pense que tous les fans de Japon devraient savoir faire un onigiri. Après, nous avons un coussin. Moi, quand je me réincarne en slime. Donc, en fait, apparemment, il est sous vide. Je pense que si on l'ouvre, il va gonfler, hein. Donc, c'est un petit coussin. Moi, quand je me réincarne en slime. Donc, derrière, on voit l'écriture en japonais. Elle a l'air assez sympathique. Après, nous avons un ténugui. Donc, c'est ça. Les ténugui sont des tissus japonais traditionnels caractérisés par leur taille d'environ 35 à 90 x 90 cm. Ces derniers existent depuis plus de 500 ans et sont utilisés aussi bien comme décoration que comme tissu du quotidien, serviette de cuisine, pour les mains, etc. Dans votre box, ce mois-ci, retrouvez un design au hasard parmi une dizaine différents. Donc, moi, j'ai des petits, les petits chiens. Je sais jamais cette race que c'est.
tout le monde les aime bien. Donc c'est un tissu, tout simplement. Nous avons des sélections de friandises pour Halloween, hein, donc plusieurs trucs. Donc si je prends la photo des friandises, hein, il y en a quelques-unes. Donc, une petite friandise. Nous avons une figurine calendrier Nezuko de Demon Slayer. Kawaii, Nezuko, de Demon Slayer rejoint votre collection avec cette jolie figurine. Peut faire office de calendrier grâce au dé inclus. Donc en fait apparemment il y a justement, comme on voit sur la photo, des petits, on peut choisir les dates du calendrier. Ça peut être sympathique comme décoration. Et nous avons ça. Alors ça, c'est en fait c'est un jeu d'équilibre Super Mario. Voici un produit coup de cœur qui devrait égayer vos soirées d'hiver. Il s'agit d'un jeu d'équilibre Super Mario Boss, dans lequel chaque joueur place à tour de rôle un champignon sur la plateforme en forme de tuyau. Le joueur qui fait tomber les champignons perd la partie. Donc en fait, on voit il y a des champignons rouges, verts, transparents. Alors maintenant, faudrait tester. C'est dommage que faudrait essayer de trouver les traductions des règles. Hein. Donc, Google Traduction est ton ami pour ces cas-là. Donc voilà. Et voilà pour cette Onion Box d'octobre 2022. Et puis la méga Onion Box du mois d'octobre. Et un lot de produits Nintendo. Donc un petit sticker. Apparemment, c'est quoi? Une petite assiette et un pull. Tout sympathique. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à me follow, à suivre ma chaîne YouTube. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Allez, bye bye tout le monde!